Jusque là, on a dépassé les 120. Mais sinon, c'est les cataractes, les allergies. D'accord. Et le quelque chose, c'est les cataractes. C'est nécessité réversible. Monsieur le ministre, je vais vous parler. Je vais bonjour docteur, c'est le docteur Talib, le ministre. Ce soir, on va signer une convention de partenariat avec le ministère. Il a envoyé deux personnes. Justement, renforcer la relation parce qu'ils ont compris que l'association c'est du. Oui, oui, là, mais on crée les unités entre la société, mais que traiter les machines. On a l'habitude très bien. Tu brilles les machines dans l'hôpital local. D'accord. Et ça rend énormément. Très bien, très bien. On va travailler dans ce sens. Merci pour l'accueil. Vous avez une belle région. Si Villeurbanne se blesse, c'est un grand La femme Djelou, qui est enseignante universitaire, professeure en radiologie. Elle est venue pour faire, avec le docteur Moulba, des échographies. Malheureusement, les mammographies que l'on est allé, la gynécologue Djelou, les a renvoyés pour la Camille, alors qu'on les attendait, on voit qu'ils étaient vraiment frustrés. Ils ont laissé leur cabinet, leur travail, leur truc pour travailler. Et on a laissé des radiologues. Je ne fais que de la radiologie. J'espère que la prochaine fois, on va venir à ce Charles. Merci beaucoup. Parce que la pharmacie, c'est quelque chose que j'aime. Oui, je m'occupe. La demande du médecin. Bien sûr, le médecin. On a l'habitude quand des gens qui pensent des petites douleurs, mais là c'est affreux. Ça va, ça va bien. L'allergologie, c'est une spécialité qui est très rare. Il y a combien d'allergologues? 23. National. Tout par an. Public et privé. Oui, public et privé. 23 allergologues. Très peu. Voilà. Il est diplômé en multiplié. À Paris. Voilà. Comme je te laisse. Alors aujourd'hui, on a eu quelques cas d'asthme. Il y a eu du reflux gastro-œsophagien avec une hyperréactivité bronchique pour les voies de motion en allergo. Beaucoup de prurite,
et puis beaucoup de rhinite. Et les enfants sont un petit peu plus véritablement atteints que les adultes. Voilà. C'est dû à quoi? Les enfants ont des vraies pathologies, les adultes, c'est pas très clair. Est-ce que c'est le même le milieu, l'environnement qui a... Mais il reste relativement bien protégé par rapport à d'autres régions où on a été. C'est-à-dire que j'ai peu d'asthme et j'ai peu de rhinite. Ça va, le petit peu. Il y a de tout. Il est un peu plus que ça. Il est dans le prix de la coupe. Ok, il y a beaucoup de cas d'allergie. Vu le climat de la région, c'est la même chose, c'est راح جالسين لا يشوفوا ان فيكتور من الهام جالسين راه معدوم بهم سبعه لي دونتيست واخدين شفنا الله يحفظ باكر مع هذاك اللي هزنا في الفواتير اللي هدينا فين عندك باقي الدراري؟ باقي يمكن باقي في شحال عندك؟ السلام عليكم. دكتور مغارب. Ça va, comment ça se passe?
قال لي بغيت تعمل شي كارت عندنا، عندي لابور. انا بيلوس، اليوم عندي كوبا في فونت بالاس. ايه. جيبغي بيان لابور. صح. عندي البوات ستيريليزي. صح. انا جاتون لا باسيون تحس مشات بوغ فيغ دوطخ ميكرو. اجيو عندنا لهنا، اجيبو. Mais tu as trouvé quelque chose de particulier? Je l'ai fait en termes de compétences, tout ça. Je dois faire écho et apprendre surtout aux femmes de faire des combattations. ترا يا بروفيسور بني الدير كي غادي سي سوار يكون معنا في البيلون ترا بيان Professeur agrégé depuis combien de temps? Agrégé depuis combien de temps? 25 ans. C'est une grande expérience chez elle. Alors pourquoi le spécial? Ça se passe bien? On a pris le retard, il dit de faire une croche de bille. Vous voyez, on voit les patients de vous le maximum. Un peu des illusions. Très bien. شو بالك الصوت ديالك
لأجاري قلت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حفظ غنى ووجدت أني خاسر فتلك مظاهر. هي علاش كاينه كتحليله الصبح كتحليله العالم الحركيه ها ونوصل لها ما كنشوفوش ما كنشوفوش باش ملي تقدر تكون عندها شي